Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo pour ceux qui voudraient se procurer un petit goodies de notre jeu favori qu'on a tous en commun théoriquement, donc si ce n'est pas encore, ça le sera très bientôt. Et ben en fait on va parler des produits dérivés d'Escape from Tarkov que l'on peut trouver sur AliExpress. Et oui, moi j'en ai fait déjà une petite collection depuis 2017, on va voir ça tout de suite après. Je vais surtout vous prévenir sur ce qui est de mauvaise qualité et ce qui est de bonne qualité. Et tout de suite, ensemble, en direct, sur le site AliExpress. Donc là, vous allez sur AliExpress. Pour ceux qui ne connaissent pas AliExpress, c'est un site asiatique. On peut acheter des choses pas chères. Et bien sûr, il faut souvent se méfier de la qualité sur ce genre de site. Donc, ouais. Escape from Tarkov. Alors, on va commencer par ce que j'ai. Donc ça. Les Terra Group Cards, donc ça c'est vraiment des goodies. Moi je m'en suis pris une pour le tester. J'ai celle qui est en noir et marron là, celle-là. Voilà, ça c'est. Je suis pas trop goodies, c'est le seul truc que je me suis pris. Je trouve ça drôle. Avec un petit code barre qui donne sur une publicité derrière sur Escape from Tarkov. Voilà. Donc, fort sympathique. Bon, c'est du plastique, ça c'est pas non plus. On va pas y passer 20 ans. C'est le truc des décorés qu'on peut acheter. C'est vraiment. Moi je suis plus sur les vêtements. J'aime bien porter les vêtements des jeux que j'aime bien. Par exemple, celui-là, Head Eyes, que j'ai ici. Alors, celui-là, 11 euros, je l'avais payé beaucoup moins cher que ça. Je l'avais eu pour. Il faut attendre, en fait, sur AliExpress, tout est différent, en fait, en termes de prix. Je l'ai pris en couleur marron. Je l'avais payé 5 euros à peu près. Très bonne qualité. Head Eyes, le fameux Head Eyes, qu'on se prend plein dans la gueule à chaque fois, sur Tarkov. Très bonne qualité, donc c'est une sorte de coton. De coton importé de Taïwan, ça vient de Taïwan donc c'est de la bonne qualité. Ouais, 100% coton. Donc voilà, donc ça, il est pas mal celui-là. Hop, je vais mettre ça, je le dirai plus tard. Faut faire attention au niveau des t-shirts ou The Lab. Celui-là, je l'ai commandé, c'est pareil, 100% coton. Alors il y en a où je me suis fait avoir, vous voyez, ce genre de t-shirt là avec le Shiba, avec la casquette bière, tout ça. Ça faut faire attention parce que regardez voir. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Je suis un peu déçu. Bon, je l'ai pareil, je l'ai payé 3-4 euros. Ça a mis une semaine à arriver, c'est rapide. Ça venait de Chine, pas de Taïwan cette fois-ci. Vous voyez celui-là? Escape from Tarkov City, donc bien sûr dérivé de GTA Vice City. Là, c'est clairement du. C'est du. Un peu d'ASMR, c'est du plastique. En fait, ils ont mis une feuille. Le flocage est nul à chier. Et je pense que pour tous ces t-shirts là qu'on peut voir avec qui a tout ça, je pense que la qualité est pareille. Alors après la qualité du t-shirt, ça par contre c'est pas du tout du coton, c'est plus du polyester, c'est un peu plus pourri, nul. Donc je vous conseille pas quand c'est des flocages qui vous paraît un peu papier comme celui-là, le vintage avec le Killa en blanc, tout ça, je pense que là c'est à peu près la même merde. Voilà, à éviter. En plus il a fait un seul lavage, le truc est déjà effrité, enfin c'est normal. On va passer tout de suite à la casquette. Donc là, je vois qu'on a la casquette USEC. Donc moi, je me le suis prise. Écoutez, elle a déjà fait une 5-6 lavages. Casquette USEC. Elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Pareil, j'avais payé ouais, 5-6 euros. C'est le prix qu'on voit sur le site actuellement. Alors, par contre, vous voyez, c'est la USEC avec le truc blanc. Ça ne le prenez pas, c'est du polyester. C'est de la vraie merde. Là, c'est vraiment qualité casquette. Là, c'est. Celle-là, ça c'est pas qualité casquette du tout, ça c'est nul à chier, ça vaut rien du tout. Alors après, il y en a un où j'ai reçu, alors je sais pas si je l'ai pas vu celui-là, mais à mon avis il l'a enlevé. Ça ressemble un peu à celui-là, Escape from Tarkov. Alors celui-là, regardez, j'ai reçu comme ça avec le flocage à moitié fait. Donc, bien sûr, je me l'étais fait rembourser. Je l'avais payé 2 euros. Je me suis fait rembourser, mais par contre, pareil, 100% coton, donc qualité de dingue. N'hésitez pas à faire un litige, hein. Moi je paye sur PayPal à chaque fois. Vous faites un PayPal, et si jamais vous avez un problème, vous faites un litige, moi ils m'ont remboursé mes 2 balles. C'est plus sur le principe qu'autre chose en fait. Hein. Alors ensuite, je sais pas si je l'ai vu celui-là. Le t-shirt USEC, je le vois plus. Tac. Il doit plus être dans les premières pages. Moi, c'est tout le premier que je me suis commandé. Le t-shirt USEC. Voilà, pareil, c'est pris une quinzaine de lavages. Nickel. Si vous avez peur que le flocage parte, bah, vous le mettez à l'envers, tout simplement. Hein, 40 degrés. 100% coton. C'est bien. Ouais, je suis un vrai fanboy. Hein.
Avec tous mes t-shirts, on dirait un gamin. Et je me fais plaisir, c'est le principal. Et le dernier, que je, un des derniers, avant-dernier que je me suis acheté, que j'aime bien aussi, couleur un peu kaki, Getting Get of Tarkov. Je ne sais pas si vous allez voir à l'envers sur la vidéo. Pareil, à chaque fois, j'ai payé 5 euros, hein, pas plus. Hein. Quand vous voyez que c'est un peu cher, quand ça dépasse les 10 balles, vous attendez, vous effacez le cache de votre ordinateur. Et après, vous allez voir que les prix baissent, hein, ce sont sur Tarkov. Pardon, sur AliExpress, c'est un peu m'acheter la folie. Alors ça peut être drôle, ça. Acheter le Fold X. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop plastique vide. Ça peut être marrant, ça, le LEDX. Ah, enfin, voilà. C'est tout. C'était juste une petite vidéo pour vous faire présenter un peu tout ça. Moi, j'aime bien ces petites conneries. Des fois, il y a des trucs sur AliExpress. Des fois, il y a des trucs produits dérivés. Vois, il y a les AFAQ. Des vrais AFAQ, hein, je pense, du coup. Je pense qu'on peut vraiment mettre un... Bon, 17 balles. Je pense qu'on peut vraiment mettre des pansements et tout à l'intérieur, ça peut être sympa. J'ai vu qu'il y avait aussi des salewa, enfin il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de dérivés. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour montrer un peu ma panoplie de choses achetées concernant Escape from Tarkov. Ça va être toujours moins cher que la boutique officielle où ils vendent leurs t-shirts à 25, 18 euros, ils s'appellent jusqu'à 25, 30 euros. Voilà, c'est la même qualité, le même final pour à peu près 10 fois moins cher, enfin 5 à 6 fois moins cher. Donc voilà. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, banzai!